coup, je suis sur le parking, 14h, j'ai rendez-vous au coiffeur. Ce matin, j'étais chez ma maman, faire les courses, on a mangé ensemble. Elle se remet petit à petit. Je fais juste une petite aparté concernant ma dernière vidéo, où j'ai voulu être totalement honnête avec vous, hein, concernant mon rendez-vous que j'ai loupé, mais en toute conscience. Mais j'aurais pu tout à fait ne rien vous dire. En j'avais la vérité, vous dire, ah non, j'ai complètement zappé, vous savez, en ce moment. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je suis complètement la ramasse. Et c'est pour ça que je me suis pas sentie d'y aller. J'ai vraiment pris peur, comme je vous ai dit. Je me sens tellement fragile en ce moment que, j'aurais très bien pu détourner la vérité. Je me suis dit, non, on est sur du vlog. Je vous montre un petit peu l'humain. Voilà, j'ai voulu jouer la carte de la transparence. Je me suis pris ça, je me suis repris ça. Il est trop bien pour laver les sols. Le Carolin Jasmin Eucalyptus, il est top. Et je me suis pris quoi aussi? Ça, bon, ça c'est pour les surfaces. Je crois que c'est au citron, parfum verveine citron. C'est passionnant. Donc voilà, cheveux. Est-ce qu'on coupe à ce stade du jeu? Je ne sais pas. Ils sont longs quand même. Hein. Je verrai avec eux. Il est tout ouvert, quelqu'un a dû l'ouvrir pour sentir. Résultat, j'en ai plein partout. Pour changer, je suis explosée, je me suis réveillée à 5h, cauchemar, voilà, ça y est, je refais des cauchemars tellement intenses que je suis en grosse angoisse, donc je peux pas me recoucher. Je vous reprends le lendemain matin, non, pas vraiment, il est quand même presque 14h, j'ai pas coupé mes cheveux comme vous pouvez le voir, bon, c'est super joli, hein. J'ai pas fait de patine cette fois-ci, je me suis dit que... J'avais l'impression que les patines me ternissaient, donc je voulais voir ce que ça faisait sans patines. Là, c'est naturel, je trouve ça très joli. Je ne vous ai pas repris hier parce que déjà en sortant du coiffeur, c'était assez sombre, donc ça valait pas le coup. Et comme hier, c'était le salon du mariage et aujourd'hui, c'est vraiment le salon du mariage avec les défilés, et que je dois aller à Leclerc, enfin, en tout cas à une heure pour soi, pour... me chercher notamment un eyeliner parce que il me reste 100€ sur ma carte cadeau que j'ai eue. En même temps, je vais en profiter pour voir ce qui se passe au salon du mariage, s'il y a des défilés, ce genre de choses. Et après, je vais chez ma maman, comme un petit peu tous les jours. Ça, c'est mon petit look. Je vais enlever mes hugs. J'ai envie de mettre des talons. Ouais. Même si je suis quand même très confortable. Et cette robe pull noire, là. Je suis vraiment bien dedans. J'adore. Ça, c'est vraiment mon look. C'est mon look, c'est ce que... Il y a ça, et puis mes petites chemises que vous voyez, un petit peu bûcheron, j'adore aussi, ou les vestes longues. Voilà. Il est possible qu'il y ait de la musique, donc je verrai au montage ce que je fais. Je me mets un peu à l'écart parce que... bruit, tout le monde, là il y a la limousine et il y a un petit défilé, mais c'est pas évident avec les musiques. Ah bah ok. Lumière parce que c'est sur batterie. Ah mais je comprends, c'est l'ambiance. C'est particulier. Le bar. Ouais, j'imagine, là nous avons le champagne. Ouais, là-bas c'est des carafes. Whisky, rhum blanc et puis d'accord. Vodka. Et après, donc vous avez pas mal de clients, enfin vous avez quand même des clients qui prennent cette prestation pour leur mariage. Oui, oui. Mmh. Enterrement de vie de jeune fille aussi peut-être. J'en ai fait un pour l'instant, mais ça commence à venir ça. Ouais. Vous êtes du coin du coup? Oui, oui, j'ai fait des anniversaires, je fais des apéros limousines aussi entre d'accord. amis. J'ai emmené des gens au cabaret, restaurant. Ok. Et Lola porte une magnifique robe avec crème. Bouton sous le feu des projecteurs, effectivement, proposés par le SAV Leclerc. Il y avait trop de musique, mais surtout, je n'ai plus de batterie. Donc, j'ai pas pu continuer. Je vous reprendrai, je pense, à la maison, parce que là, comme je vous ai dit, je vais chez ma maman. Par contre, j'ai trouvé un truc et elle m'a expliqué. Il y a une nouveauté qui est sortie chez Shiseido. Shiseido, c'est. Ce sont des soins experts vraiment très très bien. Ils ont sorti un double sérum. Bon, il coûte un bras. Mais un bras, 249€. Mais il semblerait que les résultats soient immédiats et ce soit des alternatives avant tout ce qui est injection et tout. Et elle m'en a donné des échantillons pour tester. Donc c'est cool. Je pourrais vous faire un petit retour. Et j'ai trouvé un eyeliner double en bout de chez Estée Lauder. Voilà, comme ça. Et j'ai eu... J'ai eu moins 25%, ce qui veut dire qu'il me reste 76€, je crois, sur ma carte. Donc c'est cool. Voilà. Et ça n'a pas encore coupé. Nous sommes le lendemain matin. C'est donc dimanche. Comme je vous ai dit, j'avais plus de batterie. Après, j'étais chez ma maman. Et j'ai passé toute ma soirée avec mon ami. Du coup, c'était cool. On en a profité. J'avais tellement pas envie de vlogger. J'avais envie d'être à fond dans le moment. Ça pique un peu ce matin, mais franchement, c'était trop cool. Avant que je n'oublie, parce que vu...
ce qu'on m'a dit, donc ce fameux nouveau sérum de chez Shiseido donne des résultats quasi immédiats. Et vu ce qu'elle m'a donné, donc moi je pourrais essayer sur 4-5 fois au moins. Il y a donc un sérum jour, un sérum nuit, c'est Bioperformance Duo Peau Comblée et Repulpée. Donc tu mets ton sérum de nuit le soir, forcément, et le matin tu mets celui de jour et c'est, il va y avoir des actifs qui vont faire que ta peau va être repulpée et c'est apparemment visible très rapidement. Donc franchement, je vais tester et j'ai hâte de vous montrer ça. Là, je m'apprête à faire des visuels. Donc comme tous les mois, je fais les photos pour mettre sur le site des articles de la box, là, en l'occurrence celle de janvier. Et je vous ai dit également que cet après-midi à 14h, j'avais un rendez-vous, même si c'est dimanche, avec une marque parce que... comme je veux vraiment le top du top, j'ai dû ne pas valider un article que je devais mettre dans la box de février, mais non. Je pense aller vers une autre marque, justement, avec qui on va discuter cet après-midi, parce que je veux l'excellence, je veux que ce soit le top du top dans toutes les box qui arrivent. Voilà, donc ça, c'est le problème de cet après-midi. Même si je suis un peu deck, parce que c'est soleil bleu, il fait beau, Eric m'a dit, tu viens, on va aller se balader. Ah non, je pense que je pourrais pas, je vais pas pouvoir... Et voilà un peu ce qu'il en est. J'arrive, Jack, et là, des cartons partout parce que il faut que j'aille à la déchetterie. Parce que tous les mois, forcément, je reçois pour les box. Et ça s'accumule, là, j'ai vraiment pas eu le temps. Je vous dis, j'étais un petit peu sous l'eau ces dernières semaines et ça se ressent. Et par contre, je me fais démonter. En plus, il y a le truc actuellement à la télé. J'étais là tous les... Encore ce matin, chéri, oh purée, il parle de moi. Aux actus, ils disent oui, tous les rendez-vous qui ne sont pas honorés. I know, mais ça m'arrive jamais en fait. Pour résumer, j'aurais pas dû vous en parler. Parce que je reçois forcément des commentaires sous la vidéo, mais aussi je reçois des messages privés, tout aussi virulents. Écoute, ça me servira de leçon. Il est midi 39 et j'ai faim. Donc peut-être dire à Eric, je crois qu'il rentre en entraînement là dans son bureau. Je vais lui demander s'il veut. Non, mais toi non. T'as déjà eu ma puce. Je vais manger. C'est vrai? Pourtant on a déjeuné tard, mais... Ouais, elle sera faite, puis... Et puis j'ai faim. T'as un chat qui est très triste. Beaucoup? Oui, beaucoup, beaucoup. Oh, j'aime trop mon nouvel aménagement, l'emplacement. Et même Eric qui était là, oui, il kiffe, il est là, il squatte même avec moi. Donc non, vraiment, c'est... T'es très mal élevé. Je sais plus, je vous l'avais montré celui-là. Le plateau, mis ici. C'est très mignon, même si je vous ai dit, je voulais quelque chose de plus grand. Tant que j'ai pas trouvé, je laisse ça comme ça, j'aime bien. Ah, je sais ce que je vais me faire. On voit ça dans les lendemains de fête et tout ça. En plus, j'en ai... Vous savez, du céleri branche que tu viens manger comme ça. Normalement, c'est avec du jus de tomate, mais on va éviter la tomate. Oula. Ils sont pas très joyeux, là. Bon, je vais pas manger que ça. Hein. Oui. Ouf. J'ai envie de manger ça. Bon, le truc qui est un peu pénible, c'est d'enlever tous les fils. Normalement, tu fais ça. On casse comme ça. Je vous ai posé sur le sopalin. Et ben voilà, au moment où je... Allez, on fait comme ça, on casse et on tire. On en reste toujours, mais au moins, ça enlève le gros. Moi, je pense que 4 comme ça, bien épluché, bien lavé, ça suffira. Il est caché derrière le céleri, celui-ci. Oh, là fait sa tête de très triste. Tu es très fort, c'est bien. Regardez la beauté du poil. Je pense que l'alimentation joue, il est doux. Non, c'est vrai. T'es beau garçon? On va faire une expérience sociale. Oh, maman, elle monte, elle a oublié quelque chose. J'espère que Jack, il va être gentil. J'aime bien de temps en temps faire des petits tests, voir jusqu'où il peut aller. Je prends mon infusion, hein, j'ai fini de manger. Mais il y a quelque chose que je voulais vous dire donc ici, parce que forcément il y en a qui n'ont pas Insta, il y en a qui ont Insta mais qui ne voient pas les parutions. La dernière box, donc la box de janvier, que j'ai d'ailleurs publiée, ça faisait 2 fois que je mettais une paire de boucles d'oreilles. Ma box, elle a 1 an et demi. Et j'avais des demandes à ce sujet-là, des boucles d'oreilles, j'osais pas parce que je m'étais dit, bon, les personnes qui n'ont pas les oreilles percées, c'est un petit peu embêtant. Mais je vais quand même tester sur 2 box. Et j'ai eu des retours
Vous étiez pour la plupart super contents, mais je peux comprendre qu'il y en a d'autres qui m'ont dit « Bon, ça fait deux fois et moi, j'ai pas les oreilles percées. » Donc, je voulais quand même prévenir pour les personnes qui achètent ma box ou qui veulent l'acheter. Au niveau des boucles d'oreilles percées, je précise bien percées, je pense que je vais arrêter, en tout cas pendant un bon moment. Je vais revenir à du bijou, bagues, bracelets, colliers ou bien d'autres créations un peu sympathiques. Il fallait bien tester, mais effectivement, je peux comprendre qu'il y en ait qui soient lésés. Je ne m'en lasse pas, hein. Ça c'est la boîte à bonbons Boissier qui a été mise dans la box de janvier. En plus d'être belle, il y a des petits bonbons. Vous savez, c'est cette marque-ci. Je suis tellement contente, je vous le disais. C'est une marque très très chic de confiseur. Et on a les petites bouboules à la framboise. Comme je disais dans la vidéo, avec qui je compte retravailler parce qu'ils ont plein de modèles de boîtes complètement différentes, mais tout aussi jolies. Il y a des chocolats, il y a plein de trucs tellement sympas. Il est impératif de retravailler avec eux. Comme je vous disais, on est dimanche, mais moi je continue à travailler. Je continue à travailler, je check, je note toutes les personnes que je vais contacter demain, lundi. Je perds pas de temps, j'y vais à fond parce que cette semaine j'ai encore pas mal de petits rendez-vous. Notamment pour ma maman, j'ai même deux gros rendez-vous, une cinquantaine de kilomètres. Mais c'est pour ça, il faut que moi je m'organise en amont pour pas perdre trop de temps non plus. Je vais arrêter maintenant ce petit vlog, si je veux avoir le temps de le monter et le publier pour ce soir, parce que oui, je suis encore en flux tendu. Nous sommes bien le 28 ou 29, on est dimanche quoi. Attends, je vais vérifier. Oui, on est bien dimanche 29 janvier et il est 15h58. Donc autant dire que dans 2 heures, il faut qu'elle soit en ligne. Faut que je la monte et que je fasse les miniatures, les trucs. C'est beaucoup de boulot, on se rend pas compte, mais c'est beaucoup de boulot. Mais j'adore ça. Écoutez, je vous fais un gros bisou, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mes cheveux, j'adore. On se dit à très vite pour vlog. J'ai en visuel, la marque m'a recontacté pour savoir où j'en étais. Je n'ai pas commencé en fait à tester, vous savez, l'appareil là qu'ils m'ont offert, Cure and Beauty pour le contour des yeux, les lèvres pour repulper, réhydrater, les cernes et tout. C'est un protocole qu'il faut faire le soir, je ne l'ai pas fait. Il faut que je commence absolument. Bon, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour la suite des vlogs. Ciao.